Une satisfaction pour la 19e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. C'est la bonne marche désormais reconnue des organismes de prévoyance sociale. Pour autant, pas question de dormir sur ses lauriers. Nos États demeurent confrontés à de nombreux défis de la sécurité sociale, notamment le faible taux de couverture des populations actives et l'amélioration de la qualité des prestations servies. Il est par conséquent évident que l'optique de performance dans laquelle s'inscrivent les objectifs de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale depuis sa création mérite de notre part un appui constant et plus renforcé. Les défis à relever sont donc encore nombreux. L'un d'eux pour le Premier ministre Daniel Cabin-Duncan reste l'extension de la protection sociale à toutes les couches de la population. Maintenant que la CIPRES a pu mettre en place le dispositif adéquat et fait partager l'expertise nécessaire pour consolider la viabilité et la pérennité de nos systèmes de prévention sociale, il nous appartient d'orienter désormais nos réflexions et actions vers la gestion collective et solidaire des risques sociaux pour vaincre la précarité et la vulnérabilité, en un mot, la pauvreté d'une frange plus ou moins large de nos populations. À l'occasion de la session d'Abidjan, la 19e du Conseil des ministres de la CIPRES, la présidence du Conseil devrait revenir à la Côte d'Ivoire. Elle sera assurée par Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle.